La méthode Arc-en-Ciel Disque est une invitation à développer toujours plus de flexibilité. Et ce, en prenant en compte moi, autrui et la situation. La première des flexibilités à développer est une flexibilité intrapersonnelle. Cela vous est permis par la lecture du rapport qui accompagne votre profil Arc-en-Ciel Disque et les points d'attention qui vont vous inviter à développer les couleurs qui vous sont opposées. En fait, l'efficacité optimale par une ouverture d'esprit. Cela vous permet de vous exercer à d'autres comportements que le vôtre en vue d'améliorer une relation. Le but de la flexibilité est de vous amener à vous sentir à l'aise avec les autres et avec la situation. De la même façon que les individus communiquent naturellement avec un schéma de langage particulier, ils réagissent de façon automatique lorsque vous utilisez le leur. À vous ensuite de flexibiliser votre communication interpersonnelle. Elle ne devra pas être molle, tout en conservant une fermeté qui ne soit pas rigide. Par exemple, si un jaune rencontre un bleu, une des façons d'être flexible pour le jaune sera de moins parler, d'écouter davantage et de se concentrer sur des faits. Après moi et autrui, la flexibilité intègre la situation, car son but est d'amener les personnes à se sentir à l'aise lorsqu'elles se retrouvent avec vous, quelle que soit la situation. Nous l'avons vu, il y a flexibilité lorsque vous ralentissez le rythme avec un bleu ou un vert, ou lorsque vous l'accélérez avec un jaune ou un rouge. Être flexible ne signifie pas imiter un comportement, mais s'adapter en fonction de la préférence de l'autre, tout en gardant son identité. Sinon, les risques pour la personne sont de ne pas tenir compte de l'un des trois cercles, moi, autrui et la situation. Ainsi, le dominant, la couleur rouge, peut se servir de la situation pour dominer autrui. L'influent peut avoir tendance à oublier la situation. Le stable à s'oublier lui-même et le conforme à se servir de la situation pour se protéger d'autrui.